Alors bonjour, juste un petit réel, je tiens ici à réitérer que tous ceux qui, n'est-ce pas, ne vont pas s'abonner, tous ceux qui ne vont pas s'abonner sur mon compte Junior Zogo Zogo n'auront plus accès à mes directs. Mes directs ne seront plus gratuits, ils seront payants, il faut vous abonner. Et deuxième chose, je suis en train d'aller au travail, vous voyez là, j'ai mon sac accroché. Et tôt le matin, au Nana. L'Afrika Foot, Eto, Onana, l'Afrika Foot, le matin, à midi, le soir, à minuit. Tu es chez toi, tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 50 ans, tu vis chez tes parents, tu ne travailles pas, tu ne rationnes pas ta femme, tu ne payes même pas l'école de tes enfants, tu es incapable de vivre, tu vis de la mendicité, tu nous embêtes dans les inbox. À longueur de journée, tu poses tes problèmes, mais à longueur de journée, tu es sur Facebook en train de mendier. Tu es sur Facebook nuit et jour, du matin au soir, en train de parler de l'Afrika Foot, d'Andronana, de Samuel Eto'o. Pourtant, t'as pas de travail, t'as rien. Chez toi, t'as même pas une chez toi. Tu vis chez tes parents à 30, 40, 50 ans. Tu ne rationnes même pas ta femme. Tu es incapable de vivre, t'as jamais travaillé. Tu prends le sort d'Andronana. Andronana est milliardaire. Il a mis sa famille à l'abri. On n'a pas dit, parce que je vois une ribambelle. Une ribambelle, n'est-ce pas, de tordu d'esprit. Quand je fais ce poste le matin, ils me disent, oui, est-ce parce que on est pauvre qu'on ne doit pas parler? C'est pas ça. D'autres me disent la liberté. Est-ce que la liberté est synonyme de dénigrement, d'insulte? Est-ce que, n'est-ce pas, le fait... On peut donner des leçons à d'autres, se moquer d'eux, alors que soi-même, on n'a pas de travail, on ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, on ne rationne pas sur sa femme, on vit chez ses parents à 30, 40, 50 ans. Cet esprit-là, vous devez l'arrêter. Vous devez l'arrêter. André Onana est milliardaire, il a mis sa famille à l'abri. Eto'o est milliardaire, il a mis sa famille à l'abri. Le sport, le foot ne développe aucune nation. Ça peut, n'est-ce pas? Rehausser le prestige d'une nation. Vous avez des vrais problèmes. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de dispensaires, il n'y a pas de logements sociaux, il n'y a pas de sécurité sociale. Vous n'avez pas de boulot. Vous êtes sur Facebook. Tu t'achètes une petite connexion de 200 francs CFA. L'argent que tu as obtenu du harcèlement, de la mendicité via nos inbox. Et tu es sur Facebook de 6h à 2h du matin en train de parler d'Andrew Onana. Admettons même qu'Andrew Onana soit mouilleur, qu'il ne foute rien à Manchester City, Manchester United, autant pour moi. Mais toi, que fais-tu dans la vie? Qu'as-tu fait? Arrêtons d'où ce petit coup de gueule. De temps à autre, je vais en faire. Et ceux qui voudront en suivre plus, vous vous abonnez sur ma page Junior Zogo Zogo. Je vais au travail. C'est le travail qui nous permet d'être comme ça, de vivre, hein? D'être à l'abri du besoin, de ne pas être des mendiants. De ne pas être des mendiants, aller travailler. Aller travailler. OK? Merci beaucoup. Bonne journée.